sur ce qu'on a essayé de faire sur la filière ovine. D'abord, mettre plus de moyens. On passe sur un plan ovin qui est en augmentation d'à peu près 30%, sur lequel on va mettre 650 000 euros par an, dont une partie en investissement, qui est quasiment la moitié en investissement. Mais avec une grosse partie aussi communication sur ce plan filière, parce qu'il faut qu'on défende la consommation ovine, qui est pour nous un vrai sujet. Sur le plan d'aide tel qu'on l'a acté. D'abord, un, c'est du conseil technique aux éleveurs et des aides pour la sélection des races. Deux, de l'aide à l'achat sur les agnelles et les béliers. Trois, tout ce qui est l'investissement dans les exploitations, optimisation des coûts de collecte, les centres d'allotement, pouvoir l'accompagner. Et puis enfin, promotion des signes de qualité, on en a quand même quelques-uns.